Good afternoon, everyone. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television, Chilembe FMSI. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle édition bilingue du journal sur Equinox Television. Après la polémique née au lendemain de l'assassinat d'un enseignant au lycée de Colbison à Yaoundé, le ministre des Enseignements secondaires dénonce une récupération politique et pense que l'urgence à l'heure actuelle est la lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu scolaire. Pauline Nalova-Lyonga s'exprimait ainsi à marge du lancement de la Semaine nationale du bilinguisme dans la ville de Dédéa. Nadine Yambo pour plus de précisions. En procédant au lancement de la Semaine nationale du bilinguisme à Idéa dans le département de la Sanaga maritime, la ministre des Enseignements secondaires a tenu à mettre les points sur les i autour de l'assassinat du jeune enseignant de mathématiques poignardé à mort au lycée de Colbison à Yaoundé par son élève. Pour Pauline Nalova-Lyonga, l'ampleur de cette polémique relève simplement d'une récupération politique. Quand un problème comme celui-ci se produit, il ne sert à rien d'accuser les uns et les autres, ni encore moins de faire des vaines polémiques. L'éducation est un partenariat entre les parents et les responsables éducatifs. Nous devons parler le même langage, nous devons ensemble bâtir cette discipline au sein de l'école, parler le même langage, de sorte que si un enfant ne respecte pas les règles, qu'il sache à quoi s'en tenir. Pour la circonstance, la ministre a attiré l'attention de la communauté éducative sur la consommation des stupéfiants qui fait des ravages en milieu scolaire. Nous sommes dans un siècle de vitesse et les choses avancent très rapidement. Le problème qui se pose ici est celui de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Et c'est dans ça que nous devons combattre. J'ai donné des instructions fermes lorsqu'un élève a poignardé son camarade au lycée bilingue de Deido. Les autres établissements doivent également s'arrimer à ces instructions. Mettre une caméra de surveillance ne coûte pas plus de 2 millions de francs CFA. Et les responsables doivent veiller au respect de la discipline. La semaine du bilinguisme 2020, lancée ici à Idéa, est axée autour du thème « Le bilinguisme, un tremplin incontournable vers l'unité nationale, un fondement de la paix et de l'émergence du Cameroun ». Une problématique en rapport avec la situation sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Un individu qui voudrait, n'est-ce pas, se rapprocher de plus en plus du monde actuel dans lequel nous nous trouvons, il devrait être capable ou alors se munir des armes qui lui permettent, n'est-ce pas, de s'exprimer en français, mais surtout en anglais. Au cours de cette rencontre qui a réuni plusieurs établissements scolaires du département de la Sanaga maritime, des élèves présents ont fait montre de leur génie créateur. Bon, à présent, cette mission à haut risque pour les équipes de campagne des partis politiques dans les deux régions anglophones. Le cortège de la ministre en charge du contrôle supérieur de l'État a été victime d'une attaque dans la localité de Bengui alors qu'elle se rendait à l'ouverture de la campagne électorale. Plus de peur que de mal pour cet incident qui a enregistré 5 blessés. Stellambou, Carlos Minoué et Jean-Paul Chouniat. Roulant vers Bengui pour la campagne électorale du RDPC dans le département de la Momo, la traversée du village Alanki a failli être fatale au cortège de la ministre déléguée chargée du contrôle supérieur de l'État, avec un crépitement des armes sur une bonne distance durant une bonne quinzaine de minutes. Plusieurs véhicules de sa délégation, y compris celle des reporters, sont la cible d'une attaque armée. Sans aucune vie à déplorer et redoutant une amplification des faits sur les réseaux sociaux, la ministre Mba Acha-Rose fait le point une fois arrivée à Bengui. Je voudrais vous dire qu'il y a eu de nombreux véhicules attaqués, mais seulement il y a eu 5 blessés légers. Et c'est dans ce climat d'insécurité
que le chef de délégation du RDPC ouvre le meeting de séduction des électeurs de la Momo en vue des législatives et municipales de ce dimanche 9 février. Chacun doit voter pour le RDPC, le parti garant de la paix durable dans notre région déchirée par la guerre. Le RDPC, c'est le parti de l'unité, le Cameroun étant un et indivisible. Ici, ce n'est pas la grande mobilisation des militants du RDPC. Avec seulement 52 conseillers municipaux répondant présents sur les 141 que compte la Momo, zone de production par excellence d'huile de palme et de produits maraîchers, le département de la Momo est l'un des plus enclavés du Nord-Ouest avec un réseau routier dégradé et le manque d'eau potable. Notre parti est au pouvoir. Nous prions pour une victoire du RDPC qui nous permettra de mener tous nos projets et bitumer la route de Djikwa. Le RDPC, c'est le parti du progrès qui va construire nos routes, écoles, hôpitaux et ponts. Les électeurs de la Momo doivent voter utile en mettant le bulletin du RDPC dans l'urne le 9 février 2020 et ainsi barrer la voie aux marchands d'illusions, conclut la ministre Mba Acha-Rose, chef de commission de campagne du RDPC pour la Momo, un département de plein pied dans le chaudron de la crise anglophone. Et à Vouri-Est, le PADEC de Jean de Dieu Momo est allé à la rencontre des populations en vue de faire entendre leur voix et celle des candidats à la députation. On voit tout cela dans ce reportage de Cédric Chouna et Michel Ngachou. C'est le son de la séduction. C'est le moment des rossignols. Aucune hirondelle ne viendra stopper la pluie de la campagne électorale. Le PADEC arrose. Il ne faut pas rater le grand rendez-vous de l'histoire du Cameroun. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre la fondation de la Troisième République. Ces slogans sont adressés ce jour aux électeurs qui sont appelés aux urnes le 9 février prochain à Douala 3e et 5e. Nous sommes dans le Vori-Est. Le moment lui semble favorable. Le leader du mouvement pour les patriotes démocrates pour le développement du Cameroun s'offre avant tout un bain de foule avant d'entamer son meeting porte à porte. Douala 3e est la cible. Toute une caravane qu'il a sillonnée en cette journée pour sensibiliser ses habitants. Le PADEC, il veut un siège de député. Je vais à l'Assemblée, je compte sur certains d'autres députés qui seront élus comme moi dans le Vouri, dans Vouri Est. Et pourquoi même pas ceux de la nation, pour qu'ensemble qu'on cesse de regarder. Parce que j'apporte un souffle nouveau, vu ma jeunesse, mon charisme, je pense que je veux faire bouger bout des lignes et beaucoup de choses vont changer. Le programme politique en dit long pour le bien des populations qui sont les premiers concernés. Des gens ayant vécu pendant près de 30 ans à un endroit et qu'un matin, on retrouve les agents devant leur porte pour les détruire. Ça, c'est l'une des motivations pour lesquelles je vais à l'Assemblée défendre cette cause. La cause des personnes âgées qui ont travaillé pour la nation, et un temps soit peu, à leur vieillesse, sont abandonnés à eux-mêmes. Pour y voir plus clair, au soir du 9 février prochain, l'enjeu du libre arbitre et du devoir civique appelle les électeurs. Le PCRN, pour sa part, à la conquête de l'électorat dans le département du Nkam, c'est à Yabassi. En lice pour les municipales, les candidats de cette formation politique axent leur discours sur la jeunesse. Sur le terrain de la campagne électorale, le PCRN fait face à l'alliance républicaine du maire sortant candidat à sa propre succession. Pendant ce temps, le RDPC entend ratisser large dans cette circonscription électorale. Gladys Sidier est La bataille pour la mairie de Yabassi s'annonce rude. Plusieurs partis politiques sont en lice pour les municipales. Dans le déploiement de sa stratégie de campagne, le PCRN mobilise la jeunesse de Yabassi, sur qui repose son projet de la mise en développement de la localité. Ça fait bientôt un peu plus de 2 ans et demi que nous arpentons les 8 cantons. Les 108 villages que compte notre arrondissement de Yabassi. Les populations savent et voient au quotidien ce que toutes ces personnes font au quotidien pour essayer de satisfaire les tout petits besoins que toutes les élites pouvaient faire. Mais tous ces besoins sont restés latents. Tous ces besoins sont restés endormis pendant des années. Les populations ont pu voir ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Nous leur demandons continuer à nous faire confiance parce que
Le destin de Yabassi est en marche à travers cette jeunesse. Je suis venu à Yabassi pour constituer une nouvelle classe d'élite qui est faite de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui doit prendre la relève. Le maire sortant, candidat à sa propre succession, met en avant les réalisations qui découlent de son précédent mandat en invitant les électeurs à lui accorder de nouveau leur confiance. Ce que nous avons fait pendant ce mandat, c'était déjà remettre en confiance les populations à travers la réhabilitation de nombreuses routes, la mise en place de stations solaires à Lamba, à Mbonjo, à Ndokati, des écoles, nous en avons construit. Et il est important que l'on remette l'activité productrice au cœur même du prochain mandat par la modernisation de l'agriculture, le développement de l'élevage et l'emploi de la jeunesse. Nous avons un projet de transformer Yabassi en une ville agro-industrielle remarquable. Aussi en compétition pour la mairie de Yabassi, le RDPC n'entend pas céder du terrain. Le parti politique compte ratisser l'âge et n'entend laisser aucune chance à ses adversaires. À Garoua, dans la région du Nord, Issa Thiroma Bakary fait des critiques au pouvoir public. Le candidat du FSNC aux législatives juge inhumaines les conditions de travail des ouvriers de l'abattoir de Garoua. Issa Thiroma Bakary, qui a enregistré les doléances de ces populations, leur demande de tourner le dos à ceux qui, depuis des années, ne leur prêtent pas une oreille attentive. Sylvestre Hippolyte Zangao et Olivier Tsefo. En campagne électorale à Garoua, où il a décidé de briguer un siège de député à l'Assemblée nationale, Issa Thiroma Bakary s'est rendu à l'abattoir de la ville, où l'abattage des bêtes se fait dans des conditions insalubres. La viande destinée à la consommation est étalée à même le sol. Et cela dure depuis des années. Pour le candidat du FSNC, qui était face aux abatteurs, la solution pour leur offrir de meilleures conditions de travail se trouve en la confiance qu'ils doivent mettre en le FSNC le 9 février prochain. J'ai été touché. J'ai été, j'allais dire, choqué par ce que j'ai vu. J'ai simplement dit aux populations que ce qui nous est arrivé nous arrive du simple fait de la démission des élites de la classe politique. Parce qu'au 21e siècle, c'est incompréhensible, c'est inadmissible que nous ayons un abattoir comme celui-ci avec des archaïsmes dignes simplement du 19e siècle. Je leur ai dit que du haut de ma responsabilité et parce qu'investi, parce que désormais, portant l'onction populaire, ils m'auront remis la clé universelle qui me permettra d'ouvrir toutes les portes où se trouvent leurs intérêts. À Garoua, le candidat du FSNC aux législatives se retrouve au milieu d'une foule qui énumère des doléances. Le FSNC va donc soulever ceux qui sont tombés. Ceux qui pensent qu'ils sont devenus des épaves, l'FSNC leur dit en vérité, vous êtes aussi utile et important que tout autre citoyen. Je pars rassuré de ce que ma ville natale m'a adopté, m'a choisi, a décidé de faire de moi son messager. Issa Thiroma Bakary affiche donc la certitude d'être élu député le 9 février prochain. C'est inédit dans l'histoire du paysage audiovisuel au Cameroun. Pour la troisième fois consécutive, Equinox Télévision est sacrée meilleure chaîne de télévision au Cameroun grâce au vote des internautes lors des awards des médias. Ces journalistes et animateurs ont raflé presque tous les prix les plus prestigieux. Michel Ngatiou nous en dit un peu plus. Ils ont brillé au courant de l'année 2019 par leur effort de production dans le paysage médiatique camerounais. Le jour du sacre est arrivé, les médias sont honorés. Les awards des médias, une cérémonie qui récompense aussi bien les acteurs des médias que les médias, devenus un baromètre grâce au vote populaire des internautes du réseau social Facebook. Ils sont des milliers à avoir exprimé leur vote sur la page Mediatude. Merci encore, merci à vous. C'est la deuxième année consécutive que je reçois ce prix. Les gens mettent parfois de côté les matchs de Champions League parce qu'ils regardent et qu'ils en soient. Merci beaucoup. Merci.
Sur la scène de l'Institut français du Cameroun, ils se sont succédés, les 26 récipiendaires parmi lesquels le groupe La Nouvelle Expression à travers ses médias Equinox Télévision et Radio qui ont raflé 10 prix sur les 26. Eric Fopoussi s'en sortira avec le trophée de l'animateur de l'année pour ses émissions Bonjour chez vous en radio et 10-12 le Zénith. Julingue, la présentatrice de la très réputée émission Parole de femme, s'en sortira avec le trophée de l'animatrice de l'année. Marcelon Gansop, sacré par les internautes reporter de l'année. Nadine Yambou, journaliste, s'en sortira quant à elle avec le trophée de présentatrice de journal TV de l'année. Cédric Noufélé portera deux sacres, celui de journaliste de l'année et présentateur de journal télé de l'année 2019. D'autres récompenses seront saluées parmi lesquelles Equinox Soir qui s'en sort avec le trophée de l'émission de l'année et le talk show de l'année. Equinox Télévision s'en va comme la chaîne TV de l'année. Equinox Radio avec la chaîne radio de l'année au Cameroun. Un total de 44 635 votes ont été émis en faveur des acteurs du groupe, y compris des chaînes radio et télévision. Des trophées qui saluent l'abnégation de M. Tchunka Sévéra, qui n'a de cesse de militer pour un traitement d'informations de proximité avec professionnalisme, ce qui rassure les partenaires qui ne cessent de faire confiance au groupe à travers ses contenus. Les défis plus intenses pour l'année en cours sont attendus. La bataille pour rester leader aiguisera encore les appétits. Médiatude a consacré le groupe La Nouvelle Expression avec ses médias radio et télé Equinox plus que jamais se veut un référentiel au Cameroun. Et voilà, ces belles images mettent un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Right, Juslin. Good day once more. And to our viewers, good day. Thanks for staying with us. We begin straight away with campaigns ahead of the February 19 local elections to take place in the Recife Anglophone regions, which continue to be an adventure to participating political parties, especially the Cameroon People's Democratic Movement that saw some of its militants and supporters captured by separatist fighters, tortured and equally abused. A recent incident is the gun attack on the CPJM, a campaign convoy headed by Minister Acha Mba Rose that was heading to Momo Division in the northwest region of the country to woo potential voters. Details in Bostella. At Alanki, Arutumbengui, gunshots are heard. The convoy had on board the Minister of Supreme State Audit and members of her entourage. Minister Mba Acha Rose later confirmed at a rally in Bengui that five persons were wounded during the shootout. Yes. I decided to come here because I want to tell you the truth. Because social media are carrying a different thing. I want to tell you that say they shoot plenty motor them. And now five people they be, they get small wound. The team braved the attack supposedly by the pro-independence fighters, whose presence has been confirmed by inhabitants along that stretch of road, to launch campaigns for the municipal and legislative elections under the platform of meaningful development. What we have come is to encourage people to vote for CPDM. That everybody should vote for CPDM, because CPDM is the party that will bring long-lasting peace in our region that has been torn by crisis. CPDM is a party of progress that will build our roads and schools, hospital bridges and so on. And then CPDM is a party of progress, development, peace, progress, justice. And then above all, that CPDM is a party of unity, because Cameroon is one and united. It is indivisible. So we have come to encourage everybody that they should vote for the winning party, and the winning party is CPDM. 52 out of the 141 aspiring councillors were present at the launch. Sometimes the route of Njikwa was abandoned and I had to do my best to see that the greater the road and our country is in the hands of the ruling party, which is CPDM. And we are praying that if CPDM wins Njikwa, we are going to do more things. We are going to tie the Njikwa road. Momo Division, one of the producers of palm oil, plantains and cocoyams in the Northwest, is also one of the most enclaved, with poor road networks and lack of potable water.
It would be in the interest of all if these politicians march towards reduction for a better Momo division and the Northwest at large for the next municipal and legislative elections seem foundly on paper, and these politicians will have to brave the poor roads they promised to tar only to lose the confidence of the population. SDF Kumba 3 district chairman has fumed at what he terms heavy deployment of ghost voters from Yaoundé to Kumba southwest region by the ruling regime. He has promised to drag Elections Cameroon to court for violating section 82-83 of the electoral code by planning to allow the over 666 six persons, notably security forces, to vote in any polling center, whereas they need to be assigned to a particular one. And he has equally said laws must be respected by the elections body. Take a listen to him. In Kumba 2 and in Kumba 3, Elections Cameroon held meetings where they came out with a number of lists for ambulance voters whom they want to deploy in all around Meme to push them to vote in any of the polling stations. The law also states that each elector seeking for registration outside the electoral precinct must be assigned to a particular polling station. It is put in the addendum of the electoral register under a particular polling station. But we have here close to 663 personnel who have been redeployed to Kumba for the purpose of election and who are not assigned to any particular polling station. Now the explanation we got from Elecam is that they are allowed to vote anywhere. It means that they can vote in Kumba 1, come again and vote in Kumba 2, come again and vote in Kumba 3. That is why we have gone to the court to take a court action whose hearing shall be on the 6th of February against Elections Cameroon, especially in Kumba 1, 2, and 3. We are not against people who want to vote because they have been redeployed. Be they military, be they civil servants who have gone to retirement, we are not against that. We want them to exercise their right, their constitutional right. But the law is the law, and the law must be respected. If the law says that the commission have between the 9 day and the 6 days before polling, that should be respected. If electoral code says that these people should be assigned to particular police station, that should be respected. We don't want ambulance voters. The spirit of the electoral law is against ambulance voting. And this is the thing that has been causing problems in the democracy in Cameroon. We want that people should be given a fair chance. To the SDF Kumba 3 district chairman, the action to deploy over 666 persons from Yaoundé to Kumba is a deliberate act by their opponents in order to take over the constituency. And according to the district chairman, still it is fear that is running in the party, that's the ruling party, CPDM. Take a listen to him once again. Why are our opponents afraid of elections in Kumba? To the point that they are even distributing flyers in the name of the Amber Boys trying to discourage the population to come out on the day of polling. We want the population to come out. They should join us. We are going for a campaign on the field. They are not there. We are moving door by door. They are not there. But they are out to discourage and to think how they can reach. We will not tolerate that in Kumba. We will fight it to the end, and we are sure that the population of Kumba should know that this is the evil machination. When we told them that our opponents, they are challenging us, they want to steal the victory of the population of Kumba, that is what we will not accept. And regarding that reaction of the SDF Kumba 3 district chairman, Elections Cameroon is yet to react regarding his outing and equally his promise to drag Elections Cameroon to court. The election managing body is yet to react to that, and equally the ruling CPDM party that he is claiming to be their opponent deploying 663 persons to come vote in various centers in Kumba 3 and equally Kumba 1 and 2. We shall be getting to you their reactions in subsequent newscasts if possible.
And now we talk about the National Salvation Front Party of Issa Chiruma Bakari that has so far received the endorsements of the people of Garoua, that's in the north region. And speaking during a campaign of the party, Issa Chiruma Bakari said the National Salvation Front will effectively grant to the needs of the Garoua people. Details with Fomi Armstrong Sander. Issa Chiruma Bakari, National Salvation Front legislative candidate ahead of the 9 February 2020 elections, campaigning in the streets of Garoua, north region of Cameroon. The party candidate who doubles as national president moves with his campaign team from streets to market in Garoua, convincing voters to vote for their legislative and municipal list come February the 9th. As you have been seeing by yourself, you are the eyewitness of the pleasure, enthusiasm of the people in this market. Why here? This would have been taking place elsewhere, because here we have a huge concentration of people, irrespective of their political leanings, their religion, their tribe, and all of them as one person, they are very much grateful. All of them, they say that they are ready to give us the necessary and indispensable support I need to be successful. Where they offered a tricycle and other working tools to butchers. Sachiruma have done much for us. We are behind him. Here in Abattoir, we are all behind him. Issa Chiruma Bakari further warned of any attempts to rig election by competitors in Garoua and anywhere his party is competing. As far as my other competitors are concerned, let them understand one thing. The people that we have seen, they will never ever accept the ballot rigging. Never will they accept. Why? Because they know who loved them. Who is giving them the indispensable and necessary helpful hand to promote their interests, to defend their interests, and to help them. Feeling confident that his native Garoua has endorsed and chosen him as their spokesperson and messenger, Issa Chiruma Bakari promised to go for nothing but the interests of the people of Garoua. Once I succeed to be elected here, then they will give me, in the same occasion, an universal key which will open all those where their interests are lying. The reason why here, I'm very much delighted, I'm very much pleased. Issa Chiruma Bakari and the National Salvation Front political party in the North region has as objective to pick the key legislative and municipal seats in the Benue and the rest of the region come February the 9th, 2020. A municipal candidate of the Cameroon Party for National Reconciliation, the PCRN, they are going to allow development of Yabasi constituency in the hands of the youth who have always been neglected or relegated by the ruling party. Once they win the Yabasi council, the party's militants plus employment of youths in the management of municipal affairs. More in this report. Several political parties scramble over the Yabasi Council as they campaign ahead of the municipal election. The PCRN party of Cabral Libi in a strategy is mobilizing the Yabasi youth to vote and foster development of their community. Ça fait bientôt un peu plus de deux ans et demi que nous arpentons les huit cantons. Jean-Jacques Njok, municipal candidate for Yabasi, assures the PCRN has the population at heart and ready to satisfy their least expectation. Tout petit besoin que toutes les élites pouvaient faire. That the population should keep trusting the PCRN. Endormi pendant des années. Les populations ont pu voir ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. He reminded, development of Yabasi is in the hands of the youths who have always been neglected by the ruling party.
Je suis venu à Yabassi pour constituer une nouvelle classe d'élite qui est faite de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui doit prendre la relève. The incumbent mayor, Jacques Maboula Mboya, on his part. Ce que nous avons fait pendant ce mandat, c'était déjà remettre en confiance les populations à travers. Calls on the population to give him another mandate to add on to the projects he has realized, like rehabilitation of several roads, installation of solar street lights at Lamba, Mbonjo, and Ndokati, also construction of schools. Agriculture. Jacques Maboula indicated with a new mandate, he will put in place a mechanism to modernize agriculture, develop livestock farming, and ensure youths are employed. Le pilier de l'avenir pour les Yabassiens. Also to transform Yabassi into an agro-industrial zone. L'utilisation de notre agriculture sont les piliers du prochain mandat. In competition over the Yabassi Council, the CPDM is leaving no stone unturned to consolidate the municipality from its rivals. And that's it for this 12 p.m. Balikwa newscast. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. sur l'MPF Bissau à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. N'oubliez pas, le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.